Yo, comment ça va? Mes gens! Ça vous dérange si je chill et que je rappe devant vous? Je crois qu'il a perdu la tête. Ouais, je suis contente d'être là pour voir ça. Ouais, je sais que vous voulez avoir un profit père frais, alors devinez qui est plus frais qu'un troll des glaces en hiver. Oh, GDD! Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais vous apprendre à mettre une raclée à une momie. Ouais! En 6 mois, après avoir lu tous ces gros livres trop stylés. Oh! Waouh! Félicitations! Vous avez rendu les momies ennuyeuses. Ouais! Il se passe quoi, GDD? Oh, relax. Il y a qu'un millier de pages. Après, je vous mettrai sur le coup, les amis. Non, je voulais combattre une momie, pas lire votre momie ou votre vie. Les 13 000 étapes pour vaincre une momie. Bon, on s'y met, Prudy. On trouvera peut-être une solution pour faire entrer Fizz au spectacle de jonglage. Tu veux juste que je porte ton livre, c'est ça? Ouais, ils ont l'air poussiéreux et tu sais que j'ai des allergies, alors... Hé hey, t'as une tresse Swayze dans la poche. Ah bon? Vous avez suivi son cours? Je suis certaine de ne pas du tout savoir de quoi vous parlez. Souviens-toi, on s'est secrètement inscrite. Il restait plus que 2 places et t'as dit de surtout pas le dire à Ark et Ciara. J'aurais jamais dit un truc pareil. On y va. Attends, si Sage et Bouton d'Or suivent les cours de Sir Swayze, elles vont apprendre des trucs qui aideront les squats du Kraken. Ça veut dire qu'elles deviendront chevaliers avant nous. On doit suivre ces cours aussi. Je ferais n'importe quoi pour avoir une de ces queues de cheval. Et devenir chevalier, ça va, c'était sous-entendu. En exclusivité sur Canal et Numéricable,